à toutes et à tous et bienvenue à ce Flash Info Midi qui nous informe que dans le secteur de la justice, le procès de Jean-Baptiste Rongay et compagnie accusés dans le dossier de corruption est reporté au 7 juin prochain. Rappelons qu'à la barre, les trois co-accusés ont plaidé non coupables. On parle du parquet de Comin qui a ouvert une enquête judiciaire suite à l'interception de 26 sacs de cannabis à Agoué. La découverte date du 9 mai dernier. Intéressons-nous aux finances pour dire que le Bénin affiche une économie extraordinaire suite à la crise sanitaire liée au Covid-19. C'est notre compatriote Lionel Zinsou qui l'a affirmé sur les plateaux de nos confrères de France 24. On parle également des allégations de l'ancien ministre des Finances sur la Radio France Internationale. Comi Koutier est donc désavoué par des acteurs et analystes politiques, un réquisitoire qui laisse indifférent plus d'acteurs du monde de l'économie. Et puis enfin, sport avec le Tour cycliste du Bénin, la première étape remportée par le Burkinabé Paul Domon sur une distance de 123 km courue entre Djougou et Boukoumbé. La deuxième étape de 105 km de ce mardi débutera avec le maillot jaune. Précisons qu'au cours de cette première étape, c'est le Béninois Idrissou Bachili qui arrive septième et donne quand même espoir aux écuries du Bénin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Que Dieu nous garde.